Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment mettre à jour des informations dans une base de données. On est dans une base de données qui s'appelle Ma Banque, qui contient deux tables, et dans cette table client, donc on va chercher à faire une mise à jour. Actuellement, on a 8 clients dans notre table client, et on a un client qui s'appelle pas John, il s'appelle Johnny. Donc il va falloir qu'on mette à jour cette information. Alors pour faire ceci, on va utiliser une commande qui s'appelle Update. On va dire qu'est-ce qu'on cherche à mettre à jour. Donc on va donner le nom de la table, update client. Et après on va affecter une nouvelle valeur à la colonne qui s'appelle nom. Donc dans nom, on va dire qu'on va mettre la valeur Johnny. Donc comme Johnny c'est un texte, on met ça entre quotes. Donc Johnny. Alors après, si on met un point virgule et qu'on ferme tout de suite, cette valeur va être donnée à tout le monde. Donc il va falloir qu'on précise que Johnny, il est dans la ligne, dans l'enregistrement numéro 4. Donc il va falloir qu'on précise que l'ID client, c'est le numéro 4. Alors pour faire ça, on utilise le mot-clé where, ID client égale 4. Fin de commande SQL, on met point virgule, on fait une entrée. On a entrée, donc on a une colonne qui match, donc qui correspond à notre critère de recherche, et une colonne qui est changée. Normalement, ça s'est bien passé. On va quand même examiner à nouveau le contenu de la table client pour voir si tout s'est bien déroulé. Donc super, on est vachement bon. Donc maintenant, notre client qui s'appelait John, il s'appelle Johnny. Donc on a rempli notre mission, on est vraiment content. Je vous laisserai modifier l'email. Et donc sur ce, bah, je vous dis merci pour votre attention et allez, à bientôt. Au revoir.